aujourd'hui une lettre très utilisée. Vous allez me dire que je dis toujours la même chose. Non, c'est vrai, il y a des lettres comme le tet, ou des lettres comme le zain, des lettres comme le chet, comme le dalet, comme le gimel, qui sont plus ou moins utilisées selon qu'on a besoin de mettre leur son dans les mots. Mais il y a des lettres qui, en hébreu, grammaticalement parlant, vont venir très souvent parce que ça va faire partie de la morphologie des mots ou alors de la syntaxe des phrases. Et là, c'est le cas pour la lettre mem. Eh oui, la lettre mem, qui est une lettre double, puisque la lettre mem a sa lettre finale, sa lettre sophit. On se rappelle de sophit, qui veut dire finale. Alors, si on récapitulait l'alphabet tout de suite, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Chet, Tet, Yud, Kaf, Chaf, Sofit, Lamed, Mem, Mem, Sofit. Regardez cette lettre, cette lettre, et pas ces lettres, puisque c'est une seule et même lettre qui change de graphie selon qu'elle est au début ou au milieu ou à la fin. Vous voulez suivre notre formation en ligne à Cours d'Hébreu le Club? Alors rendez-vous sur accoursdhebreu.fr et apprenez l'hébreu comme jamais en profitant d'un e-learning de A à Z, ou devrais-je dire de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien et merci à notre partenaire Beivrit.